palais qu'on cherche se trouve à l'ouest de l'Irak, dans le désert de Syrie. Mais il y a un problème. La coalition, elle a lancé l'opération Tempête du désert contre Saddam Hussein il y a 2 semaines. Elle détruit un maximum de cibles stratégiques depuis les airs. Le palais est encore debout, mais plus pour longtemps. Le SAS britannique a été déployé pour traquer des lance-missiles mobiles, et notre palais a été marqué pour un bombardement massif. On doit agir. On ignore ce que le Panthéon cache dans le bunker sous le palais. Mais s'ils le détruisent, on n'a plus rien. J'ai demandé l'aide d'une ancienne collaboratrice travaillant pour le MI6. Elle a fait pression sur le SAS pour retarder la frappe, mais ça aura un coût. On se fera passer pour des soldats de la Delta Force pour qu'Hélène Park justifie notre présence. On aidera le SAS à détruire tous ses lance-missiles. Ensuite, à nous le palais. Le SAS veut détruire ses Scuds autant que vous, vous voulez infiltrer ce palais. On pense que les Irakiens pourraient les lancer d'un moment à l'autre. Chacun 2-1, pulvérisons ces lanceurs. On contourne le premier site. Hey, Park, tâchez de tenir vos amis américains en laisse. Charmant. Là, Scud dans les airs, ça a commencé. Le site est encore à 250 mètres. Tu peux accélérer? Activité. Jackal 1-1, on lance l'attaque. D'accord. Allumez-les. Détruisez-les. Ennemi localisé. Il y en a d'autres derrière. On les a tous eus. Le Scud est par là. Suivez-moi. Jackal 2-1, on est de l'autre côté du ravin. On approche de la cible. Plus vite. Jackal 1-1, on sera bientôt en position. On est sur la crête. On commence. Il y a une douzaine d'ennemis en bas. On y va. Lancement en cours. Détruit. Bien joué, tout le monde. Maintenant, écoutez. Richard, Skinner,
Débarrassez ces ordures et déchargez les camions. À vos ordres! On va établir le campement ici. Ton équipe est pas trop dégueu, Park. Voyons ce qu'elle sait faire d'autre. Ce sera notre base d'opération désormais. Tiens, on dirait que t'as gagné le droit de porter la carte tactique. On a beaucoup de terrain à couvrir, alors ça te sera utile. On doit encore neutraliser 3 autres Scuds. Ouvre bien l'œil. Tu pourrais trouver d'autres trucs intéressants. Gladney m'a promis qu'il aiderait ton équipe à entrer dans le palais si vous détruisez ces Scuds. Faites ce qu'il demande, et on verra bien s'il tient parole. Tu peux aller lui parler si t'as envie. Il restera au camp pour s'occuper de la logistique du SAS. Fais-nous juste savoir quand tu voudras partir. Ça manque pas d'armes. Je peux vous aider ? Ce palais a l'air de beaucoup vous intéresser. Si ça tenait qu'à moi, il aurait été rasé depuis longtemps. S'il est encore debout, c'est uniquement grâce à Mademoiselle Park. Étonnant, vous ne trouvez pas ? Contentez-vous de nous aider à détruire les Scuds, et on vous aidera à trouver ce que vous cherchez. Pas pour l'instant. C'est à cause de ces foutues batteries de missiles. Il y en a trop. D'ailleurs, je viens d'apprendre que certains de vos amis de la Delta Force ont été abattus près d'ici. On a un hélicoptère d'attaque, mais on pourra pas le déployer tant que vous n'aurez pas neutralisé les batteries anti-aériennes de la région. Les Irakiens ont établi des nouveaux campements, probablement en lien avec ces frappes transfrontalières. Les renseignements ont détecté la présence de forces inhabituelles. Mais je sais pas vraiment ce que vous trouverez. Va falloir vous débrouiller. Le commandement a envoyé des largages de ravitaillement dans la zone, mais on les a pas encore récupérés. Si vous en trouvez, servez-vous. Vous parlez pas entre vous, les Ricains ? Bien sûr que oui. Mais y a que Park qui semble être au courant de votre présence à vous. Franchement, j'en ai rien à foutre de ce que vous fabriquez ici, du moment que vous m'aidez dans ma mission. J'ai envoyé Jackal 1 s'occuper des Scuds dans les secteurs 7, 8 et 9. Les autres sont pour vous. On a envoyé des éclaireurs sur le terrain pour trouver les batteries, mais ils sont toujours pas revenus. Ils vous en diront plus si vous les croisez. Espérons qu'ils détruisent rapidement leur cible. Vous inquiétez pas. Si tout se passe comme prévu, ils seront de retour à temps pour aider à prendre d'assaut le palais. Enfin, si vous remplissez votre part du marché. À propos de quoi ? Ils y sont toujours. Si vous les cherchez, ils doivent être à proximité des sites de lancement. Malheureusement, non. Peut-être que les Irakiens ont fait appel à des mercenaires. En tout cas, on dirait bien qu'ils sont rattachés aux nouveaux avant-postes de la région. J'y ferai le ménage à votre place. Bonne chance à vous, là-bas. Tu devrais peut-être prendre du C4. C'est hyper efficace contre les lance-missiles. On partira quand t'auras pris ce qu'il te faut. Case, si tu as besoin d'en savoir plus sur la mission à venir, va voir Gladney là-bas. Vrai ?
Allez-y. Vous avez rien de mieux à faire. Ouais, ouais, dégagez. Hey Kate, tu crois quand même pas qu'on va y aller à pied? Je suis d'accord. On devrait prendre un véhicule. Griller ta couverture. Regardez là, la fumée orange indique un largage de ravitaillement. On devrait aller jeter un œil. Je te couvre.
devrait nous aider. Si on en voit d'autres, n'hésite pas à te servir. Mettons-nous en mouvement. Ça pourrait les alerter. Attaque! C'était le dernier. Là, Gladny, on a repéré une batterie anti-aérienne. Excellent. Si vous parvenez à détruire ces missiles sol-air, on pourra vous envoyer un soutien aérien. Ça peut valoir le coup.
Dégommez-les. Danger écarté. Et d'une. Si on détruit les deux autres, les Irakiens... perdront le contrôle aérien dans la région. On ouvrira l'œil. Ils vont le voir tomber.
ne tire pas. Il est trop loin. Les alerter. Ne tire pas. Tu vas griller ta couverture. Sur ta gauche. هل من شيء يجب الانتباه له؟ لم أعثر على شيء. سمعتك. ما الحال؟ الأمور هادئة. عالم. باتر، أنت هناك؟ أنا هنا. ما الأخبار؟ المكان آمن. عالم، أبقني على اطلاع. Travail de pro. On pourrait les alerter.
ils vont le voir tomber. C'est trop risqué. Feu ! Patrouille éliminée. À ta place, je le tenterai pas. Ne tire pas. Tu vas griller ta couverture. Ils vont le voir tomber. À ta place, je le tenterai pas. Il est hors de portée. C'est fini. Tu es trop loin. C'est l'un des éclaireurs de Gladny. Delta, bienvenue à l'Oasis. Je suis dans les arbres sur la crête si vous voulez me rejoindre. Ça pourrait les alerter. La Delta en chair et en os. Je peux vous montrer à quoi on a affaire. Tu vas griller ta couverture.
Bienvenue au combat. Je vous aiderai du mieux que je peux. Je vois que la zone est entre de bonnes mains. Trop loin. Ne tire pas.
bienvenue au combat. Je vous aiderai du mieux que je peux. Détruis le missile. Je bouge. On doit se débarrasser de ce Scud.
Continue comme ça. Il est mort. Derrière toi, Chief. Pas aimé. On se tire.
Pas des flèches, mais ils sont nombreux. Je pense qu'ils s'attendent à nous voir débarquer. Et ils ont raison. J'aime être reçu comme il se doit. Tu vas griller ta couverture. Du travail de pro. J'ouvre le feu. Sa'atahraku nahwa sadr. Ramaytu al-qunbula. Grenade, attention. Cible éliminée. Ne tire pas.
C'est parti! Y a plus personne. Continue comme ça. Bien vu. La fumée orange. Ça veut dire qu'il y a du matos. Quelqu'un a oublié son bateau. Ça tombe bien, je le cherchais partout. Ça fait sûrement des années que c'est là. Ça pourrait les alerter.
Il est mort. Je bouge. Encore des ennemis pas communs, là. Je vois un ennemi avec un minigun. Il manque pas de problème. Ça, c'est fait. Je crois que c'est tout. Le Panthéon n'est pas là par hasard. Balayez la zone. Une cage du Panthéon. Bien vu, Case. Premier jour des essais d'octobre. Nous avons commencé à exposer nos cobayes de frères en intraveineuse pour le patient A et par inhalation pour le B. Leurs pupilles sont dilatées, mais leurs constantes sont stables. Résultat à suivre. Le Panthéon menait des expériences sur ces deux pauvres frères. Deux méthodes d'exposition. Mais d'exposition à quoi ? Si on trouve la Delta, tu penses qu'ils verront qu'on fait pas partie de l'équipe ? Je pense pas. Faites comme si de rien n'était. Et tenez-vous à bonne distance.
comme au bon vieux temps, hein, Park? Ne parle pas de ça. Je suis pas là par nostalgie. Et pourquoi t'es là, alors? Le devoir. Ou alors il se peut qu'un jour je t'appelle pour te demander un service. Mais j'espère ne pas en arriver là. Il semblerait que le groupe mystérieux dont tu parles existe bel et bien, Adler. Tu me fais pas confiance? Pas plus que nécessaire. Quoi? Ne dis pas que ça te surprend. Ne tire pas. Tu es trop loin. Tu l'atteindras pas d'ici. Ils vont le voir tomber. Ils vont le voir tomber.
Mortier en approche. C'est pas joli à voir. À prendre le palais d'assaut. Il est dans le milieu depuis longtemps. Depuis la nuit des temps. À ta place, je le tenterai pas. Vous avez vu, il y a un village là-bas. Le SAS dit qu'il est occupé. Encore un camp. Les soldats du Panthéon sont plus nombreux que je l'imaginais. Longtemps que les éclaireurs de Gladny surveillent la zone. Suffisamment longtemps. S'il y a bien quelqu'un qui a des infos sur ces Scuds, c'est eux. D'où te vient le surnom Case, Case? Case aime pas. Continue comme ça. Il est hors de portée.
Frappe de mortier en attente. Prête à faire tout sauter. Attention, sniper! Ça, c'est fait! Sniper ennemi! Je bouge! On n'abandonne pas! A été efficace. Je bouge. Okay,
couvert. Je bouge. Je bouge. Adouhum.
troupes. Mortier prêt à être envoyé à votre signal. Ça n'augure rien de bon. Six.
Le MI6 n'a aucune info concernant le Panthéon. T'es sûr qu'il s'agit pas de simples mercenaires ? Certain. Okhruj min makhba'ik. Une batterie de missiles. C'est Gladney qui va être content. Tour radio sur la colline. Je me demande quel transmet. Ça pourrait les alerter.
C'est fait, on bouge. Garde, droit devant. Beaucoup de gardes. Ils doivent protéger quelque chose. Un lanceur de Scud se cache au milieu de ce chantier. Regardez, ils ont renforcé la sécurité autour de ce lance-missile. Je vois l'éclaireur de Gladny. De l'autre côté de la clôture, au sommet de la crête. L'éclaireur est sur la crête, de l'autre côté de la clôture. Largage de ravitaillement en visuel. Delta, je vois que vous êtes pas loin. Je suis sur la crête de l'autre côté de la clôture. J'ai des infos. Content de vous voir, Delta. Laissez-moi vous montrer ce que je vois. Ils nous ont repérés. C'est bon d'avoir des alliés dans le coin.
quelqu'un. Abattez-les.
Fragmat. Le shit est pas complètement dégagé. Ça devrait être tout. لم أصب العدو، تمت إصابة الهدف، لقد أصبت. رميت القنبلة. غناد. Cet argent nous sert.
Désert, montagne, j'ai tout fait. La tactique est toujours plus ou moins la même. Mais j'étais loin d'imaginer qu'on se pèlerait le cul. Tant que t'arrives à appuyer sur la gâchette. Des alliés dans le coin. Heureusement que t'as trouvé cette frappe de mortier. Voyons si les Irakiens sont du même avis. L'ADNI a intérêt à faire sa part une fois qu'on aura neutralisé ses scènes. Trop loin. Parfait. Bien. Content de tout le blé qu'on lui ramène. Il y a de l'heure, on sera plus curieux.
repérer un camp ennemi dans les dunes. Encore un campement du Panthéon. On devrait peut-être leur rendre visite. À ta place, je le tenterai pas. Ça pourrait les alerter. Je le tenterai pas. Ouvrez le feu! Avec cette frappe de mortier, l'ennemi va morfler. Gladny veut qu'on détruise ces scuds. Encore des ennemis pas communs, là. Torchons par terre, ils ont des RCXD. Le Panthéon. Ouais. Détruisez-les. Mortier en approche. Thank you.
crois que c'est tout. Cherche une cache. Il y a peut-être d'autres parmi nous. Bien vu, Kate. Regarde ce qu'elle contient. Deuxième jour, le patient A qui a reçu l'injection a tenté de s'échapper. Nous l'avons maîtrisé, mais il demande à être avec son frère. Le médecin pense que nous pouvons négocier avec lui, son frère, en échange de sa coopération. Résultat à suivre. C'est cruel d'utiliser la famille d'un civil comme moyen de pression. Vous pensez que ces deux frères étaient des civils ? Des prisonniers politiques, probablement. Le Panthéon n'utiliserait pas les siens. Pas pour le premier jour d'essai. Le Panthéon menait des expériences sur des humains. J'aimerais bien savoir dans quel but. Gladney veut qu'on détruise ces scuds. Sérieusement à m'agacer. Les soldats locaux sont des amateurs à côté. Il reste encore un campement. Le voir tomber. Bien vu.
À 9h. Mortier en approche. La frappe de mortier a été abattue. Excellent travail. Maintenant, rentrez vite au camp. Ils envoient des soldats dans notre direction. Venez me trouver à votre arrivée. C'est bon de vous voir, les gars. Les capitaines attendent dans la grotte. Des nouvelles ? Ah, vous voilà. J'ai quelque chose pour vous. Vous avez fait du bon travail avec les tourelles. Grâce à vous, on a repris l'avantage. L'hélico est prêt à partir. Il attend votre feu vert. On a de la compagnie. Des soldats irakiens convergent vers notre position. Il est temps de tester cet hélico. Menace supprimée. Laisse-le venir. Ça va nettoyer la zone vite fait, bien. Appelle-le, Case. Il y en a d'autres. Ici, Chen sur poids 2, en approche rapide. Magnifique. À mon avis, les Irakiens sont pas prêts de retenter leur chance. Chainsaw 3-2, en attente de déploiement.
L'équipe de mortier paraît. Bifurcation, droit devant. J'ai du mal à croire qu'une rivière traversait ce canyon avant. T'en épargne rien. Là, du ravitaillement. En route. L'hélico du SAS est paré si jamais on a besoin d'un coup de main. Je vois plusieurs ennemis, mais ils savent pas qu'on est là. Silence. Je crois que ce tunnel mène à un avant-poste irakien. À corps du Panthéon. On ne devrait pas les laisser trop s'installer. Ne tire pas. À ta place, je le tenterai pas. Ça pourrait les alerter. Je bouge. Amin, Khudus. Il est pas passé. C'est tout. Ouvre l'œil, tu trouveras peut-être une cache.
Arrêtez-les! Menace supprimée. Des ruines là-bas, sur la falaise. Il devrait y avoir un lanceur de Scud dans le coin. Beau travail, tout le monde. Gladney, on a nettoyé tous les campements ennemis. Ah, oh, je pourrais vous embrasser, Park. C'est pas la réaction que j'attendais. À 9h, Case. هل بدأت أفقد عقلي؟ Du travail de pro. Je bouge. Abattez-les. Attention, sniper! Grenade, faites gaffe!
Détruisez-les. Grenade frag en approche. Ça bouge! Ça, c'est fait! Ça, c'est fait. Ils emploient les grands moyens pour défendre le dernier Scud.
Je bouge. Force style repérée. Grenade, faites gaffe. Je quitte l'espace aérien. Je bouge. Grenade, attention! Ça, c'est fait. Grenade à couvert. Chainsaw 3-2, prêt à décoller. Je l'ai eu. Arrivée de Chainsaw 3-2, imminent.
rentre à la base. أحدهم يتقدم. Y a plus personne. Allons-y. On retourne au camp à ton signal, Case. Je te laisserai l'honneur d'informer Gladney de notre succès. C'est l'éclaireur, là, en haut de l'échelle, dans les ruines. Chainsaw 3-2, disponible. L'éclaireur est en position de tir en haut de cette échelle. D'être déployé. On aura bien mérité notre billet pour le palais. Irakien à proximité, allez-y doucement. On est sur le chemin. On fait comment ? Du retour, Gladney.
peux vous aider ? Impressionnant. Maintenant que c'est réglé, on va pouvoir s'attaquer au palais. Je vais rassembler mes hommes. Si on part maintenant, on y va avec ce qu'on a. Ça vous va ?